Salut à tous et Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, donc vous êtes très nombreux à me demander donc comment j'avais fait pour mettre en arrière fond mes cartes donc accrochées sur mon mur. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment faut faire. Donc comme vous l'avez vu, il faut se rendre sur le site FuteWiz. Après vous utilisez l'outil capture sur une carte. Donc j'ai choisi de prendre Monzone parce que c'est un ancien lyonnais qui est une carte héros en ce moment. Donc après vous le mettez, vous l'enregistrez, vous faites la capture, vous l'enregistrez dans un document et vous allez juste aller prendre un traitement de texte. Donc moi j'ai utilisé Page de Apple, iCloud. Donc il suffit de prendre la carte et de l'agrandir en très grand, c'est vraiment super simple. Vous avez juste à faire ça. Après il suffit donc de l'imprimer et vous avez cette carte là. Donc c'est vraiment super simple les gars, n'hésitez pas à le faire. Il faut juste aller sur FuteWiz, faire une capture d'écran, une capture, et voilà, vous récupérez la carte. Comme vous l'avez vu, voilà, on a la carte. Après, il suffit donc tout simplement de la découper hein, pour récupérer juste la carte. Ça rend vraiment super bien. N'hésitez pas à regarder sur l'image hein, filmer avec mon téléphone, ça rend vraiment bien. Donc après, ce que vous faites pour accrocher au mur plusieurs cartes, parce que je vous conseille, c'est de mettre du scotch en fait entre les deux. Donc ça vous évite en plus de vous abîmer le mur. Si vous mettez juste entre les deux les cartes, ça permet de les tenir. Donc voilà, vous mettez entre tous ces cartes. Et après il suffit juste de mettre de la pâte à fixe derrière la carte et de l'accrocher au mur. Donc pour les premiers il faut accrocher, de l'autre et de l'autre. Et à l'autre bout faut tirer au maximum pour que les cartes soit bien droite, et vous inquiétez pas, ça va marcher parfaitement, ça va rendre super bien, vous allez voir. Et pour le reste, pour faire tenir, c'est tout simple, il faut juste de la pâte à fixe pour faire tenir tout ça. Donc ça prend du temps mais ça rend super bien, vous allez voir les gars, ça rend super bien. Donc je vous conseille de le faire, c'est vraiment beau. N'hésitez pas d'ailleurs à si vous le faites les gars, m'envoyer des photos sur Snap, Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, sur Insta. N'hésitez pas à me mentionner, etc., pour voir tout ça, parce que j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à le faire, même si c'est 2-3 cartes, ça peut toujours rendre intéressant. Regardez, voilà, quand le travail est fini, voilà comment ça rend vraiment super bien. Voilà, après, en vrai, c'est encore mieux. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je pense que voilà, ça, vous voyez l'image, comment ça rend vraiment super bien. Vous pouvez voir là en grand. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram et Twitter, et c'est tout, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à réagir dans les commentaires, à me dire vos avis, à me demander des conseils si vous en faut encore. Donc je vais récapituler tout ça. Il faut aller sur FuteWiz, capture d'écran, traitement de texte, en mettre en plein écran, on imprime, on découpe, on colle au mur. On met du scotch entre toutes les cartes, on colle au mur et on met de la pâte à fixe et c'est bon les gars. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, à réagir dans les commentaires, à me dire vos avis, etc. Je prends tout. Si vous avez des conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est 14.5 vous les gars. Bye tout le monde.